Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde ou presque tout le monde sait comment ajuster la largeur d'une colonne manuellement. Je donne un exemple. Si je marque une adresse type 7 allée des impasses, il suffit d'aller entre les deux colonnes et cliquer rapidement deux fois. Excel va ajuster la colonne automatiquement. Maintenant, savez-vous, donc je reviens en arrière, savez-vous à présent comment ordonner à Excel un ajustement automatique via un code VBA? Eh bien, si vous ne le savez pas, je vais vous en faire la démonstration. Dans un premier temps, cliquez sur l'onglet développeur. Par la suite, dans le groupe code, allez sur Visual Basic. Ici, je vais choisir feuille 1, c'est sur laquelle je travaille actuellement. Je clique droit. Ici, cliquez sur code. Ici, classeur 1, feuille 1, je vais aller chercher worksheet. Et ici, entre private sub et end sub, tapez le code suivant. Cells, sans E, entière colonne, point, autofit. Je vais à présent aller directement sur ma feuille. Et si je tape 7 allée des impasses, en faisant entrée, comme nous pouvons le constater, Excel a ajusté automatiquement la largeur de la colonne. Voilà. Ce tutoriel rapide a été bénéfique pour vous, je l'espère en tout cas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci pour votre attention et à bientôt.